dessus des mains et le dedans des pieds, le dessous des tables et le dessous des seins et le dessus des tombes, le dessus des crânes et le dessous de soi, le dessus de soi, le dessus des ventres et le dessous des ventres, le dedans des ventres, tout tombe, tout tombe lentement, les pierres tombent, les échanges, les histoires, les objets, les liquides, les ruisseaux, les serpents et les liquides et les salives tombent, les jambes tombent, tout tombe lentement dans les organes, dans les maisons, dans les échanges. C'est la tournure, c'est le chemin, c'est la méthode, c'est la mesure, c'est un échange, c'est une idée, c'est un problème, c'est une idée, c'est un chemin, c'est un échange, c'est un rapport, c'est un chemin, c'est la tournure, c'est la méthode, c'est la mesure. Tout tombe, tombe, tout tombe doucement, tout tombe lentement, tout tombe doucement dans les maisons, dans les bordures, dans les forêts, dans les histoires, dans les paroles, et sans arrêt, et sans vitesse, et sans vacarme, et sans. Et là, tu vois, j'avais mis un scotch pour coller le bouquin sur l'appareil photo, et ça cache le bout du texte. Putain, le mec, il est nul. Puis en plus, c'est du super scotch qui colle. Putain, le scotch, il arrache le texte maintenant. Wesh ! Et donc, l'idée était pas forcément mal, mais j'avais pas vu que si ça coupait les mots. Et le dessous des bras, et l'idée des figures, et l'idée de la honte, et l'idée des liquides, et les liquides eux-mêmes, et les personnes lentes, et les personnes, et la vie est bien lente, et la vie est tombée, et la vie est bien calme, et la vie est bien lourde, et la vie est la vie, et la vie est tombée, la vie est en train de tomber, mais lentement. Tout tombe lentement dans les personnes, dans la gorge des personnes et dans les ventres des personnes. Tout avale les personnes et dans la gorge et lentement et tout va dans la gorge mais lentement. Dans la maison des hommes, dans la maison des loups, dans la maison des mères, dans la maison très noire, toutes les mères noires. On se donne de l'eau, on se donne des branches, on se donne du pain et tout tombe dessus. Laura Vasquez, oui. La maison tombe lentement, elle tombe lentement, les enfants tombent lentement, ils tombent lentement, leurs bouches tombent lentement, les bouches des enfants vont lentement et leurs jambes tombent lentement, tout tombe lentement, la ville tombe, elle tombe, elle tombe lentement, la ville tombe, elle tombe doucement depuis longtemps, depuis beaucoup de temps, la maison tombe, les gens tombent, les gens tombent. Les bouches tombent, les gens tombent, et le dessus des yeux, le dessous du ventre, et le dedans du ventre, et le dedans des joues, et le dessus des cils, et le dessus des mains, et le dedans des pieds, le dessous des tables, le dessous des seins, le dessus des tombes, le dessus des crânes, le dessous de soi, le dessus de soi, et le dessus des ventres, et le dessous des ventres, et le dedans des ventres, et tout tombe, tombe, tout tombe, lentement, les pierres tombent, les échanges, et les histoires, et les objets, les liquides, et les ruisseaux, et les serpents, et les liquides, et les salives, tout tombe, tombe lentement dans les organes, dans les maisons, dans les échanges, c'est la tournure, c'est le chemin, c'est la méthode, c'est la mesure, c'est un échange, c'est une idée, c'est un problème, c'est une idée, c'est un chemin, c'est un échange, c'est un rapport, c'est un chemin, c'est la tournure, c'est la méthode, c'est la mesure. Tout tombe, tombe, tout tombe doucement, tout tombe lentement, tout tombe doucement dans les maisons, dans les bordures, dans les forêts, dans les histoires, dans les paroles, et sans arrêt, et sans vitesse, et sans vacarme, et sans pensée, et sans souffrir, c'est la tournure, c'est ce qui tombe. C'est vachement important pour moi de ce genre de travail à voix haute, de chercher des rythmes, et j'avais pensé, il y a un truc qui m'obsède depuis longtemps, c'est une espèce de marche d'accord de Led Belly, c'est... C'est tout
simple, mais c'est que c'est le gars de Nirvana qui en refait aussi une magnifique, magnifique interprétation. Je m'étais dit naïvement que je pourrais faire ça aussi sur les mots de Laura Vasquez. C'est pas mon truc, quoi. Puis en fait, vous savez que Laura Vasquez, elle a une chaîne YouTube avec cette contrainte d'enregistrer un mot par jour, et puis au bout du mois, de reconstituer le poème que font ces 30 mots ensemble dans toutes les situations de la vie quotidienne. Je vous mets le lien dessous, moi je retourne à mes trucs.